Bonjour à tous, c'est Soso, bienvenue sur ma chaîne Soso et ses passe-temps. Si vous entendez taper, c'est tout à fait normal. Mon mari fait des travaux. Donc, je voulais vous présenter aujourd'hui une petite vidéo sur les réalisations que j'ai faites en septembre. Je suis un peu en retard, mais je suis débordée, j'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi je nage. Donc j'avais décidé de faire au mois de septembre un DP avec une gorgeous. Donc, comme vous pouvez constater, elle n'est pas finie. Mais j'ai fait quasi plus de la moitié. Il me reste plus que le haut ici. Donc, je suis plutôt satisfaite. Je vais vous tourner pour que vous voyez que voilà, il me reste à peu près voilà ceci. Et dont déjà des diamants qui sont mis, c'est des diamants AB. Et elle est juste trop belle. Franchement, elle est superbe. Je l'adore. En plus, elle est super agréable à faire. Bon, je jongle entre ça et plein d'autres choses. Donc, voilà. Donc, forcément, elle sera de nouveau sur mes projets de octobre, hein, clairement, puisqu'on y est. Et j'espère l'avoir enfin terminée et puis mis dans mon portfolio. D'ailleurs, portfolio que j'ai commandé, j'ai le A3 et là je viens de commander le A2 sur Amazon. Et honnêtement, j'espère l'avoir fini parce que franchement, elle est trop belle. Et au moins, j'aurai un projet de fini, quoi. Parce que là, je patauge. Donc voilà. Ensuite, j'ai réalisé, c'est tout au début. Déjà, il y a eu l'ouverture de ma chaîne aussi. Hein. J'ai appris plein de choses et d'autres beaucoup moins. J'ai un peu de mal encore, c'est une catastrophe, mais bon, ça va venir, hein, je me décourage pas. Et j'ai fait des marque-pages. Donc, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait pas mal quand même. Hein, donc, voilà. Donc, celui-là, je le trouve super beau, les papillons, il est extra. Donc, là, du coup, je les ai. Ils sont finis et je les ai encollés. Pour que les diamants tiennent bien, qu'ils ne partent pas. Donc ça va être des cadeaux en fait. Je vais les offrir. J'étais en train de toucher, ça colle pas. Je vais les offrir à des personnes qui adorent la lecture. Et du coup voilà. Donc j'ai réalisé quand même les trois là. Ça c'est fini au mois de septembre. Après c'est pas des choses très longues à faire. Donc, voilà. Donc j'en ai réalisé quand même trois. Ensuite. Bon, j'ai réalisé aussi un petit DP, mais je ne l'ai plus, donc je ne peux pas vous le mettre. J'ai réalisé cette plaque, la plaque du Canada de ma cousine. Par contre, je n'ai pas gardé le reste des diamants pour vous montrer ce qui restait. À chaque fois, il nous reste des diamants de toute manière. Il m'en restait quand même pas mal. S'il ne m'en restait pas, je vous aurais dit, non, il ne nous en reste pas, c'est une catastrophe. Mais là, clairement, il en reste. Donc, je vais la mettre dans le sens là, comme ça, vous verrez vraiment la longueur. Elle est super belle. Pareil, j'ai encollé les diamants. Avec de la colle vinylique et il y a un super rendu quoi. Franchement, elle est trop belle. Donc, elle va partir chez ma cousine hein, maintenant qu'elle est finie. Et je lui ai fait aussi un étui à lunettes qui est rangé déjà dans son colis. Donc, malheureusement, je pourrais pas vous le montrer. Mais ouais, il était bien aussi. C'était que des strass et c'est pareil. Hein, il m'a pas manqué de strass du tout, du tout, du tout. Donc, voilà, finalement j'ai réalisé quand même pas trop des trucs quand même assez. Voilà, j'ai réalisé cette chaussette de Noël. Alors, c'est pareil, les petits diamants ici le long se voient dans la nuit, et pareil pour les oranges, c'est pareil. Hein, j'ai encollé aussi pour protéger parce que bon, voilà. Et vous avez une petite attache qui est à l'intérieur pour accrocher sur la cheminée ou autre, elle est super mini. Ici, c'est de la feutrine, et là, c'est un espèce de tissu faux plastique, ça fait comme de la toile de jute, mais c'est pas de la toile de jute. Donc, j'ai réalisé ça aussi, ça a été fini aussi. Ensuite, on passe au point de croix. Alors, le point de croix, comment vous dire? Le point de croix, donc là, c'est le sal de lin. Donc, en fait, il est très grand, c'est une très grande toile. Donc, je rame, hein. Je sais même plus ramer, je vous dis pas. Hein. Là, je peux aller faire des cours d'aviron, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai une, deux, ici, trois, quatre cases de fini et la cinquième est ici.
Sachant que tous les samedis, on a une nouvelle case à faire. Donc là, je suis déjà dans le jus, hein, je vous le dis clairement. On a une nouvelle case à faire et il me semble, je ne suis pas sûre, je crois que c'est la case 13. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah bah c'est celle-là. Voilà. C'est celle-ci que j'aurai à faire après. Une fois que j'aurai fini celle-ci, bien évidemment. Donc je vais vous mettre une photo. Je vous mettrai une photo pour vous montrer à quoi ça c'est censé ressembler. Quand même. C'est mieux. Et donc, du coup, bon, bah voilà, j'ai quand même fait ça. Sachant que dans le. Comment ça s'appelle? Dans le salle, en fait, la toile, c'était des carrés qui devaient faire à peu près 1600 points, je pense. Et là, je suis largement au-dessus. Largement au-dessus. J'ai des fois entre 1000 et 1500 points de plus. Et ben, j'ai du mal à gérer. Là, pour le coup, là j'ai fait quoi? La moitié seulement de la case. Donc voilà. Ensuite, je replie. D'ailleurs, je pense que je vais en faire un petit peu aujourd'hui quand même, parce que là, j'en ai pas fait. Parce que je suis en train de faire, je suis en train de faire le défi de Nano, customiser une boîte. Ensuite, j'ai réalisé ceci. Et là, j'ai même pas fini. C'était un petit cupcake. Et il me manque plus que le point arrière à faire. Donc c'était ceci. Et le voilà. Le voilà, il est fini. Hein. Il n'y a plus que le point arrière. Et alors, il y a énormément de points arrière à faire. Je vais vous mettre le modèle. En fait, toutes les lignes bleues, toutes les lignes jaunes, toutes les lignes brunes et noires, ce sont des points arrière. Donc, du coup, c'est très long, c'est très chiant. Et du coup, il me reste que ça à faire et il sera terminé. Donc, ça, c'était aussi en septembre. Donc, voilà. Ah oui, puis j'ai fini mon petit marque-page en forme de petit renne aussi, hein, au mois de septembre. Il est déjà dans mon porte-revue. Ensuite, il y avait un défi aussi sur l'automne. Halloween, automne, sur un groupe, le groupe de Sarah. Donc, j'ai commencé et bah forcément, il n'est pas fini. Hein. C'est toujours pareil. Donc, oups. Donc, le dessin, c'était celui-ci. Et au final, voilà. Voilà, j'ai fait ça. Donc, c'est-à-dire, j'ai fait tout l'encadré en orange. J'ai commencé la feuille et le banc. Un petit peu le réverbère et la tour Eiffel. Et puis là, j'avais attaqué le N de automne, parce qu'en fait, quand je finissais le sale de ligne, quand j'arrivais à le finir le vendredi, ça me laissait une journée pour faire autre chose. Donc, je faisais celui-là. Sauf que là, comme je suis à la bourre surtout, bah, j'ai plus de temps pour finir quoi que ce soit. C'est une catastrophe. Donc, en gros, pour mois d'octobre, je vais continuer ça. Le sale de Lynn, mon DP Gorgeous et ma boîte que je suis en train de faire pour les défis de Nano, qui est en train de sécher puisque j'ai verni ma boîte, donc je ne peux pas vous la montrer. Mais je suis en train de faire une vidéo pour vous montrer les étapes de la fabrication. Donc voilà. Donc voilà tous mes projets de septembre qui ont abouti ou pas, qui sont reportés ou pas. Je m'étais quand même donné aussi l'objectif de faire une tasse, parce que j'ai les tasses en point de croix de chaque mois. Bah, comment dire, je ne l'ai pas entamée. Ensuite, je devais faire aussi une lanterne d'automne, d'ailleurs que Jackie Crostiche a aussi. Je ne l'ai pas entamée. Donc déjà, de base, on devait l'entamer ensemble. Hein. Pour l'instant, vu qu'on n'est pas ensemble au travail, c'est un peu compliqué. Mais alors, en plus de ça, je vous avouerai que, enfin, non, c'est pas possible. Même Jackie, je pense que voilà, elle a dit qu'elle l'a repoussée aussi parce que c'est pas possible de gérer autant de choses. Parce qu'on a quand même le boulot à côté, on a les tâches ménagères, on a tout, hein, donc on a une vie quand même. Donc voilà. Donc pour le mois prochain, ben, je repars sur ma gorgeuse, le sale de Lynn, la boîte de Nano et le défi automne de Sarah, du groupe de Sarah. Je sais plus c'est quoi le nom du groupe. Et voilà. Donc la prochaine vidéo sera certainement la vidéo de ma petite boîte que je fais pour le défi de Nano, les loisirs de Nano.
Et je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien, surtout, parce que bon, apparemment, le Covid revient, nous n'en sommes pas sortis. Mais en attendant, on va profiter du soleil, de toutes nos petites activités. Et je vous fais tout plein de bisous. Et à bientôt. Bye bye.